Le chic à Saint-Tropez, c'est pas forcément de se faire les boîtes de nuit un peu bling-bling que tout le monde connaît sans vouloir les citer. Non, on termine l'émission avec la Brasserie des Arts sur la Place des Lys. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On danse et on fait la fête sur les tables. Comment ça va, Guillaume? Oui, très bien. Alors, on rentre aussi facilement que ma rentrée. T'es obligé de le dire. Voilà. Peut-être avec des caméras. Sinon, on rentre pas aussi facilement que ça. Ouais, mais si on dit qu'on vient de l'émission New York, New York, Paris, Paris. Ah, voilà, bah, tu as cet accueil-là à chaque fois. Un petit peu à l'écart. Alors, explique-moi quelque chose. La Brasserie des Arts existe depuis combien d'années? Alors, c'est très très vieux. C'est un établissement assez ancien. Ouais. Il a été repris par le groupe il y a 4 ans à peu près. Voilà. D'accord. Il a été transformé ici il y a 4 ans. Il y a 4 ans que ça devient un restaurant un peu festif. The place to be. Alors, ce qui est génial, c'est que faut vraiment bien connaître Saint-Tropez, être un habitué pour venir et connaître. Parce qu'on entend toujours parler des mêmes endroits. Exactement. Alors que vous êtes au milieu de la place des Lys, donc on ne peut pas vous louper. Eh oui, mais il y a les endroits qui restent un peu confidentiels. Et c'est certains clients, ils aiment bien ces endroits confidentiels. Ouais. Donc c'est vrai que nous, on fait très peu de pubs. On reste caché, les clients aiment bien ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une évolution dans la nuit qui a fait que les restaurants se sont transformés un peu en club, on va dire. Ouais. Avec les brunchs, on le connaît beaucoup à New York, hein, vous les connaissez. Clair. Et ben nous, on fait cette même façon de faire, mais c'est vrai que ben, les gens, ils n'ont pas envie de rentrer forcément à 5h du matin. Ouais. Avoir la musique trop forte, la musique est forte, mais pas aussi forte que dans un club. Et les gens mangent, s'amusent et sont au même endroit. Voilà. En plus, ce qui est génial, c'est que vous passez les classiques efficaces, la disco, qui fait que toutes les générations se mélangent et les nationalités aussi, parce que c'est Saint-Tropez. Voilà, ici, 80% de la clientèle est étrangère. Et tout ça, c'est les flashbacks musicaux qui font que quand on mange, on se dit « Ah là là !» et on a envie de monter sur la table et on a envie de faire la fête. Voilà. Et puis, t'as un effet aussi d'entrain. Il suffit qu'une table se déchaîne pour que les autres se disent « Attends, Anne aussi !» Et puis ensuite, t'as tout le restaurant. Même si tu es arrivé et que t'étais pas de bonne humeur, il suffit que la table d'à côté, vraiment la pêche pour que d'un seul coup, voilà. Eh ben, tout le monde se mette, regarde, danser sur les tables, c'est parti, on danse sur les banquettes. Voilà, c'est ça le... C'est celui qui fera le plus la fête. Exactement. Mais rentrera éventuellement le plus tôt, c'est pas une question de... Non, on n'est pas là. Pas dans la plus grosse bouteille, enfin tu vois, c'est pas m'as-tu vu, non, c'est ce qu'on recherche. Voilà, exactement, on a un concept, surtout pour faire la fête. Que tout le monde soit là. Tu as vu, on n'est pas là pour lancer les grosses bouteilles. Non. On le fait, on sait le faire. Oui. Mais la priorité, c'est la fête. Voilà. De faire la fête et de passer un moment. Ce qui était la vocation de Saint-Tropez à la base. Et qu'on aurait tendance un peu à oublier.